Hop. Faut que je trouve les clés. Ah oui, faut peut-être que j'explique ce qui se passe. Hein. On va au parking des Moulins pour aller voir le petit rasoto du dimanche matin. On est dans la caméra car aujourd'hui. Attention, le démarrage de fou. On fait ça. C'est la voix de ça ? J'ai trouvé ma casquette, du coup je mets ma casquette. Bon, du coup on est arrivé. Il y a deux trois trucs relativement intéressants. On regarde ça. C'est beau. Il y a plein de petites anecdotes au moteur rotatif. Tu sais, c'est un petit Dorito. Et ben, il y a un petit triangle à l'avant ici pour faire référence au moteur. Dans les sièges, il y a des petits triangles. Le levier de vitesse aussi, il est un petit peu triangulaire, ce qui est plutôt cool. Le phare arrière pour les freins aussi, il est triangulaire. C'est pas trop cool ça. Et viens voir les portes, comment elles s'ouvrent. Je pourrais ? Super, merci. Oh là là. Ça, c'est super cool. Et du coup, l'autre porte, elle s'ouvre juste ici. Hop. Et tout original, là ? Quelle année ? 2003. 2003, c'est pareil. La première phase. Super. C'est la R1, c'est la première fois. D'accord. Énorme. C'est pas mal du tout. Super cool. Et juste à côté, on a une autre deux portes sportives qui pètent le feu que moi j'aime beaucoup. Ouais, le V6 d'une 350Z, ça gueule. C'est magnifique, j'adore. Un jour sur les cylindrées, on aura une 350Z. C'est stylé, hein. Elle est pas mal en décapotable. En plus, c'est la pista. Je sais pas trop ce que ça veut dire, pista. Mais je sais que Tom, il en parle tout le temps et il me pète les couilles avec. Ah ouais. Du coup, julien.com, il est à l'intérieur carbone. Et là, l'intérieur de celle-là, elle est de la même couleur que l'extérieur. C'est super cool d'avoir les accents jaunes aussi à l'intérieur. Elle est cagée, il y a l'harnais. Ça, c'est stylé, ça. Et comme il disait dans la vidéo, qui va être quelque part ici sur l'écran, tout ça, c'est en plastique. Et c'est super cool, ça se voit. Et ils avaient raison, ça tape beaucoup. Du coup, je pense que c'est une meilleure idée que ça soit en plastique qu'en carbone. Ça serait un bordel pas possible d'avoir ça en carbone. Ça va te coûter un bras et une jambe à chaque fois qu'il faut le réparer. La perle de ce rasoto, une Fiat Panda. Il nous faut vraiment une Fiat Panda. Si vous avez une Fiat Panda, idéalement la première génération, faut nous appeler. Mais il y a un petit truc hein, quand même avec cette voiture. C'est vraiment du solide. Hein. C'est atroce, j'adore. Ça, c'est une Jaguar XK. Et c'est aussi la Jaguar. Enfin, c'est pas la Jaguar, mais elle est dans le film James Bond. C'est avec le mec qui joue dans Mamma Mia. Bref, il y a un James Bond, on mettra le nom ici aussi. Le méchant, il a cette voiture-là. Et du coup, bah, je trouve que c'est une voiture qui pète le feu, parce que j'ai regardé ce film quand j'étais plus jeune et j'ai toujours aimé. Bon, c'est spécifique hein, quand même comme conduite. Et par exemple, je reviens voir, le levier de vitesse bah, sur cette génération de Jaguar, c'est pas juste une ligne droite, c'est un U. En gros, park, c'est tout en haut à droite. Drive, c'est tout en bas à droite. Mais après, t'as 5, 4, 3, 2 qui montent à gauche. C'est super bizarre. Et ça, c'est la XKR. Du coup, bah, si je m'en rappelle bien, sur cette génération, ça veut dire que c'est un V8 compresseur. Ce qui pète quand même le feu, hein, on va pas se mentir. Là, on va voir la MX5. Regarde, là, il y a des petits trous pour l'aération ici, c'est trop énorme. La MX5, c'est, je crois que c'est la sportive la plus vendue du monde. Mais c'est une super bonne petite bagnole. Avec, y a toujours eu un rapport de poids qui est 50-50. Du coup, 50% du poids est à l'avant, 50% du poids est à l'arrière. Et c'est ce qui les rend aussi bien sur route en fait. C'est des belles petites voitures, je trouve qu'ils ont fait un vraiment bon boulot sur cette génération. Mais ça, c'est la première génération où ils ont mis un toit dur qui est Targa, je crois. Je crois que c'est Targa, où tu peux juste enlever le haut. Il y a des Porsche qui démarrent, du coup, on va les regarder. On se calme, monsieur. Il faut envoyer du pâté, s'il vous plaît, monsieur. Ah, ça faut en parler vite fait avant qu'elle parte. Une petite Volvo. De ce que j'ai compris, il faut vraiment que je vérifie ça et ça se trouve on va le couper parce que je vais raconter de la merde. Mais je crois que c'est un 5 cylindres. Je crois que c'est un 5 cylindres turbo là-dedans. Et il y a une version traction, mais il y a aussi une version 4 roues, enfin all-wheel drive, 4 roues motrices. Et je les trouve super cool moi. Malheureusement, c'est la même voiture que je crois que c'est Edward dans Twilight avait. Du coup, ouais. Je suis désolé de savoir cette information, mais si c'est Twilight. Je suis déçu, je pensais vraiment qu'elle allait faire des donuts et ça, ça aurait pété le feu, ça aurait été une super bonne bannière pour la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais. Il y a une prise d'air sur le toit qui ne fonctionne pas. Ah mais c'est une conduite à droite.
Renault Sport, Mégane RS Sport. Avec un peu de chance, ça c'est un vrai autocollant Nürburgring, ça veut dire qu'il est peut-être allé sur circuit, ça c'est stylé. La D5, ça je connais pas, enfin je sais que c'est une bonne voiture, je suis rentré qu'une seule fois dans cette voiture dans ma vie. Et c'était un pote avec qui je travaillais à l'hôtel, il aurait donné son poumon gauche pour cette voiture, il l'adorait, c'est incroyable. J'y connais rien malheureusement, mais apparemment c'est des bonnes voitures et ceux qui les ont, ils les adorent. Ça c'est beau ça. Malheureusement c'est une automatique. Et malheureusement aussi, je crois que j'en ai jamais conduit une. Je crois que j'ai jamais conduit cette génération de BMW de ma vie. Mais ouais, j'en ai jamais conduit une et un jour il va falloir qu'on en conduise une. On va aller voir vite fait cette Mercedes. Ça je crois que ça s'appelle la GLK. Enfin, attends, faut que je vérifie. C'est pas écrit. Du coup, ça c'est la GLK et je crois que c'est l'une des rares Mercedes que Mercedes n'a pas envoyé chez AMG. Il n'y a pas une version AMG de ce truc. Et pendant cette génération de Mercedes, ils les envoyaient toutes à AMG presque. De cette génération là, il y avait la E63 AMG, du coup il y avait le 6,2 litres atmosphérique de la C63. Et ça là-dedans, ça aurait pété le feu. Et juste avant ça, il y avait la E55 et juste le moteur, le M113K. Et ça, c'était le moteur avec le compresseur. T'imagines un compresseur là-dedans? Putain, mais c'est une opportunité qu'ils ont loupée, ça m'énerve. Faut suivre les cylindrés sur Instagram. 350Z, c'est vraiment le feu quand même. On n'en voit pas assez et c'est dommage. L'une des voitures préférées à Margot, c'est la GTI là-bas. Du coup, lui, on lui a parlé la dernière fois qu'on était venus. C'est une automatique, sa voiture. 3 vitesses, il a dit, je crois. Et c'était pas son plan d'en acheter une en automatique. Il a dit qu'il voulait la manuelle, mais après, il a découvert que c'était une automatique. C'est passé quand même. Elle est pas mal. Il y a vraiment une belle petite forme sur ces voitures. Ah. Mais ça c'est le V6 là, oh putain j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est le VQ quelque chose. Et c'est vraiment un bon moteur. Tom, là tout de suite, n'est pas avec nous. Avoir des magnifiques voitures comme cette Renault Clio Brazzer avec l'entrée d'air sur le toit. Putain, mais à quel moment tu te dis que c'était une bonne idée ça? Nous, on va rentrer, on va faire ça la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous êtes vers Lille ou vers nous de venir au parking des Moulins. À la semaine prochaine pour plus de vidéos. Bisous.